Francis ? Bah ! C'est tout ? Francis ? Ouais. Le coup de matraque ? Ouais. Bon bah bonjour. Enchanté. Pourquoi t'as pas réagi ? Bah, parce que je sais que rien va se passer. Oh. Non ? Non. On n'est pas du genre à t'attaquer comme ça ? Pas pour rien. On n'attaque pas les gens tout simplement comme ça. Alors j'étais forcément sûr que c'était une blague. Comment t'aurais bloqué comme ça normalement? Ça ne se prévient pas ce genre de choses déjà. Ouais, c'est instinctif, voilà, c'est tu instinctif. Penses? Si je sens le danger, ouais, je pense que ça, je développe une faculté de défense qui est instantanée. Oui, d'accord. Instantanée. Du coup, je ne réfléchis pas. D'accord. Là maintenant, sur le coup, je peux te dire, ouais, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Oui. Mais dans l'action, c'est pas grave. C'est parce que peut-être que là, tu es dans un contexte qui n'est pas où tu te sens en sécurité, vu que tu es. Je me sens en sécurité. Toujours. Quand je marche dans la rue. Oui, je peux comprendre ça de toute façon. Bon, excuse-moi encore, Francis, pour ce petit jeu, quoi, que c'était un petit test. Oui. En plus, c'est une fausse. J'ai pas bloqué. Francis. Salut la famille, c'est le retour de King Kong. Francis. Is the Francis Ngannou, petit frère. Tu viens faire les pranganga comme ça là, ça dit. Mais la France, c'est bien, il faut que leur fasse un tour là-bas. Je veux comprendre comment ça se passe. Ça dit, tu as choisi ta part de personne que tu peux planquer, c'est Francis Ngannou. Tu as la chance que c'est un gars là, le gars avait d'abord bien déjeuné et tout, mais le gars, surtout, c'est la question que. Tara, tu es venu seulement mourir entre mes mains et tout. Tu vois que quand tu regardes bien le gars là, c'est parce qu'il voulait avoir mal, il voulait savoir, il se pose la question que oui. Celui-ci, on t'a seulement envoyé mourir entre mes mains. Ah, tu lui poses des grandes questions, tu allais faire comment? Est-ce qu'il peut te dire la vérité? Nous, tous, on connaît ce qui pouvait être fait. S'il n'y a pas un centre de santé à côté de la dame, tu vois que tu allais être aussi c'est que tu le frappais les roues. J'ai vu la vidéo là, il est comme ça. Excès de maîtrise. C'est la seule star au Cameroun que nous on connaît qui marche sans garde du corps. Francis. C'est un tarat que tu donnes même si c'est 450 bâtons en espèces, en bien de 1000 francs. Le coup de matraque. Il met ça dans la brouette ou dans le pouce, il commence à tirer jusqu'à chez lui. Enchanté. Quand on le voit, le salut, c'est vraiment bonsoir, grand. Comment t'as pas réagi? Ben, parce que je sais que rien. Va jouer. Non. Continue à aller faire déjà les vidéos avec déjà les personnes ici. Pas pour rien. Le gars, il a beau trop calme. Si c'était à moi, tu viens, tu me frappes le coco, c'est le prank. Ça ne se prévient pas, c'est déjà des choses. C'est instinctif, tu penses? Petit frère. Oui, je pense que. Moi, je ne suis pas homme. Je ne suis pas homme. Regarde, je ne me respecte pas trop. Quand tu vas venir faire les faux échos, tu viens blaguer. Tiens, regarde, je suis arrivé au boy là. Je ne suis pas homme. Donc, moi, on ne fait pas le plan car avec moi. Il faut que je me mette d'abord MMA. Dès que la menace est guérie là, il y a trop d'argent là-bas. C'est même pas ce qu'on fait dans le cinéma. Il y a tourné les films, il ne m'a pas venu. Je suis toujours là, j'ai encore les problèmes. J'ai pas bloqué. Bon, on ferme le MMA. On m'a dit qu'on va faire une salle là. Il faut que, dès qu'elle est guérie là, le coup de matraque. On essaie de voir. Il y a trop d'argent là-bas. Bonjour. Mon frère, on t'a dit qu'on perd les gens à la seconde, mon frère. Pourquoi t'as pas réagi? Promotion d'un combat, on fait ça 6 mois après ça, voilà, 9 secondes. Non. On me dit encore de tourner les films. T'as attaqué comme ça? Pas pour rien. Ça fait 12 ans et tout, on est comment, il n'y a pas le riz. Nous tous, on va faire le MMA. Bonsoir les guerriers, c'est le King Kong. Il se vous un peu rigolo.